Un petit prédateur est toujours en plein travail. Avec deux petits à nourrir, la musaraigne à trompe doit continuer à chasser, même aux heures les plus chaudes de la journée. Mais l'après-midi est un moment dangereux pour elle, car un nouveau groupe de prédateurs rôde. Les reptiles. Ce sont des animaux à sang froid qui passent toute la matinée à absorber la chaleur du soleil. Maintenant, ils sont suffisamment réchauffés et ils ont faim. Ce varan a repéré l'odeur de la musaraigne à trompe. Le petit mammifère peut atteindre 30 km/h. Proportionnellement à sa taille, il est plus rapide que le guépard. C'est là que le réseau de chemins créé par la musaraigne montre toute son utilité. Elle en connaît chaque virage et chaque raccourci. Ses longues pattes lui permettent de parcourir trois fois la longueur de son corps à chaque foulée. Le varan abandonne. Le petit rongeur lui a fait mordre la poussière. Mais cette maman va devoir repartir affronter de nouveaux prédateurs jusqu'à la tombée de la nuit.